Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc on va continuer la progression. Comme vous pouvez le voir, j'ai vachement farmé, j'ai maintenant 3 tablettes violettes et j'ai recréé une tablette bleue. Faut savoir que j'ai manqué de me faire tuer par un Reaper, par un Warper. Et j'ai préféré ne pas aller plus loin pour chercher du Disten. J'espère que j'en ai pas besoin de plus. Je crois que ça doit être 3, j'imagine que c'est 3, le chiffre magique c'est 3. Donc ok, il y a des choses à scanner. Centrale thermique. Ok, j'espère que je peux marcher dessus. Je te marche dessus, centrale thermique. Oui, c'est bon ça. Ok. Installation de confinement primaire. Oh, zone de granit, il y a un système de grottes. Au sud-sud-est de cette position. Mais j'aime quand tu me dis ça. L'arbre de... Wouah ! Ok, continue à nager dans... dans ce que tu n'es pas censé nager. C'est pas grave. Je ne t'en veux qu'à moitié. Je comprends que je me pisse dessus à ce... Elle est revenue? Oui, je comprends que je me pisse dessus à ce moment précis, hein. Données énergétiques ioniques. Schéma de réacteur. Ouais, non, ça c'est pour le truc. Ça! Ça, c'est nouveau! Putain, mais m'annonce pas le truc comme quoi c'est nouveau! Cube ionique, or, minerai d'argent pour une pile! Deux piles ioniques et du calcium cycle. Mais c'est super simple! Bon, le cube ionique, il faut l'avoir en quantité, mais... Wouah! C'est ultra pratique, en fait! Ok, cool. Bon, Simone, je vais devoir faire un truc que je regrette déjà. Ah. Qu'est-ce que tu... Wouah, le Prawn se fait piloter! Ah bah non. Le Prawn est au... Oh là. J'ai cru que j'allais mourir. Le Prawn était autopiloté. What the fuck? Et c'est après 45 minutes de farm et de recherche au sud-sud-est que Marcus découvrit la fameuse entrée des Lava Lake au nord-nord-est. Je t'ai trouvé. Vu. Alors le pire, c'est qu'il fait des allers-retours avec... Ah bah... À moins que si c'est tout simplement ici... Oui, j'ai bien compris, t'aimes bien dire que t'es pas content, pas content. T'as l'air d'être plus ou moins là, en fait. Ouais. Confirme, si je devais appeler un endroit le Lava Lake, effectivement, ce serait ici. Je suis d'accord. Et moi, je suis censé aller là-bas. Ok, vendu. Tout en évitant les Warpers. Bonjour. Ok, t'as l'air d'être... Bah écoute, c'est sympa, je suis content que tu veuilles m'aider, ça me fait... énormément plaisir. C'est marrant, effectivement, je suis surpris qu'il y ait... J'ai presque envie de dire si peu de danger dans cette zone en particulier. Bon. Vendu, go for it. Bonjour. Wow, t'es pas censé être là. T'es pas censé pouvoir nager. Sésame, c'est du bleu, j'avais pas vu. Bon bah j'ai bien fait d'en faire une. Que là j'en ai.
Tu veux te la remettre? Mais putain, mais... Voilà! Et là, t'as l'air couillon d'avoir décédé bêtement. Ouh, c'est... Bienvenue dans le temple de la reine, hein. Encore mieux que ce que je pensais. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Life specimens terminated. Evacuate. Projet d'éclosion d'œuf d'empereur est annulé. Bah... Ça y est, je crois que j'ai compris. Bonjour. T'es agressif? T'es agressif! Rien fait, moi! Mais où? Il est où le respect? Je t'ai rien fait! M'agresse pas! Technologie alien. C'est moi ou c'est un truc de. Ça ressemble à un gosse de Destiny? Vitrine vide, bon. Allez. Parce qu'on aime bien les choses vides. Voilà. Ah non, il y avait des nanorobots, elle était pas si vide. Une boîte étrange. Ça, c'est le cube de... comment ça s'appelle? De... Ah, putain. De portal. Ça, on dirait plutôt le... Comment le... Non, il s'appelle ça un implant traceur. Moi, j'y vois plus hein, le... Comment le... Le boomerang de Link. Un Zelda. Ça, je ne vois pas par contre à quoi ça s'en ressemblait. Peut-être à un truc Metroid. Je vais voir les références comme de cette manière. Ok. Bon, visite. Oula, ça ressemble à un portail de l'autre côté. Ah putain, j'espère que j'en ai assez avec 3. C'est un portail. C'est que des portails dans la zone? Ou des portaux? Non. Apparemment non. Storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. D'accord. On va y trouver des œufs. Je ne peux rien scanner dans la région. Moi, je suis en quelle forme? Infecté, toujours. Oui, je me doute. Oh. Integrating new PDA data. Le Léviathan empereur des mers. Donner du terminal. Ah, voilà. Empereur des mers. D'accord, donc c'est bien la bestiole que je... Hein? Ok. Tu réclames quoi? Oula. Une bleue. Je pose. Alors s'il faut que des bleus là-dedans... Ah, putain, j'aurais dû visiter le reste. J'aurais dû visiter le reste d'abord. S'il faut d'autres bleus, je suis baisé. Enfin, je... Donc un autre portail, je présume. Un portail, de toute manière, des portaux, vous le savez déjà. Vous êtes trop fort. Ok. Oh, c'est joli. Très très joli. Il y a un peeper qui vient de passer. Contrôle de la ventilation. Oh, peu d'entrée. D'accord. Puis permettant l'installation de confinement. Peur portant l'enzyme. Ah putain, d'accord. Ok, c'est les pipeurs qui balancent l'enzyme à tout le monde. Il y a aussi un truc là-bas derrière. Et là, c'est une autre... Ça va bien ? T'as pas l'impression de pas être du tout à la profondeur dans laquelle t'es censé être. Béton, laisse béton. Ok. Ah d'accord, je suis en train de casser l'endroit. On va éviter. Oui, elle a du mal la fumée, hein. Ici, projet enzyme 42, voilà. Qui inhibe les symptômes de l'infection. Ah non, d'accord, ok. Non, non, c'est un système de soins. Ok.
Alors qu'une espèce de levateur indigène produit une substance unique appelée l'enzyme 42 qui inhibe les symptômes de l'affection bactérienne Cara. Ok, d'accord, là je retire tout ce que j'ai dit. Les extraterrestres ont fait de gros efforts pour répondre aux besoins de l'environnement de cette forme de vie, y compris en important de la flore et de la faune interdépendante par le biais d'un portail de téléportation sur place. Mais la santé du spécimen s'est rapidement détériorée. Lorsque la quarantaine a été imposée, toutes les portes de téléportation et les champs de force ont été scellés, toutes les tentatives pour le développement d'un vaccin basé sur cette enzyme se sont restées infructueux. D'accord, pour l'instant, eux n'avaient pas trouvé le truc. Peut-être parce qu'ils la traitaient justement comme une bête. Et elle souhaiterait être... comme une entité vivante à part entière. Qu'est-ce que... Oh non. Un bébé. Fœtus préservé. Ah d'accord. Ouais, c'est glauque. Hein. Enfin moi, enfin... En principe, j'aime pas ça. C'est bête, hein, mais faire s'ouvrir des bestioles. D'accord, donc ça c'est l'œuf qui a éclos, ok. Pisse dessus à longueur de temps, c'est la fête du slip. Faire attention aussi à notre... Je crois que la dernière boisson que j'ai prise n'était pas utile. Mais ce n'est pas grave. Ouf bête. Ok. Alors, j'avais complètement zappé le principe de ces portes, une fois de plus. Donc, il faut que je prenne du cube. Et le cube, il y en a là. J'espère que je vais pouvoir le farmer. Un peu bien. Merci, c'est gentil. Y voir papa. Ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Y'en a que 3, y'a que 4 portes. Ah c'est pute. Bref. Donc apparemment celle-ci devrait m'emmener en fait juste à côté de la base. Vous savez le trou que j'avais remarqué une fois. Donc on va essayer celle-ci. Si c'est pas le cas, tant pis. Voilà. Donc. Crevasse, portail, lakes. Voilà. Et donc, normalement, crevasse, portail, lakes, c'est bon. Donc, on est juste à côté de la base. C'est génial. Moi, chers amis, ce que je pense, c'est que dans soit le prochain épisode, soit dans la prochaine session, puisque je fais que des épisodes de 3, des sessions de 3 épisodes, nous trouverons sans doute la fin... Enfin, nous trouverons sans doute de quoi nous soigner, si je puis dire, et peut-être même la fin du jeu, donc forcément avec. En tout cas, j'espère que je mettrai pas trop de temps une fois qu'on sera soigné à récolter tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes bons, nous sommes prêts. Je vais aller chercher le cyclope avec notre magnifique Tartarus et revenir ici à la base ensuite. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.